Séance d'enregistrement donc, qui va être mise en ligne sur le site de la mairie du 6e arrondissement et co-organisée sous l'égide de la mairie, donc bien évidemment du 6e, et du Souvenir français. Alors le Souvenir français est une association qui a vu le jour en 1885, donc elle est ancienne, c'est la plus ancienne association patriotique française, laïque, républicaine, bien évidemment, vous vous en doutez, vu la date, et donc qui a connu surtout son plein essor à partir de la guerre de 14. Le Souvenir français a essentiellement trois missions. La mission première était d'honorer les morts pour la France, que ces morts soient français ou étrangers. Également, donc, honorer, c'est aussi petit à petit construire des monuments. C'est également et surtout mission première, fondamentale, l'entretien des tombes. Qu'aucune tombe des morts pour la France ne soit laissée à l'abandon, périsse sur une deuxième fois, donc sans que la mémoire nationale puisse se recueillir devant. Mais le Souvenir français est aussi une association du temps présent. Et c'est maintenant la troisième mission qui se développe de plus en plus, c'est celle de la transmission. Et la transmission, donc, nous, ici, dans le comité du Souvenir français du 6e arrondissement, nous nous y attachons tout particulièrement, avec l'aide absolument efficace de la mairie, à savoir, bon, de transmettre quoi, la mémoire, l'histoire, bien évidemment, c'est également donc, par un certain nombre d'actions, auprès des élèves, auprès de des lycées, collèges. C'est un arrondissement qui a une grande soif de culture, c'est un arrondissement de culture. Et donc on leur propose également, comme en 14, à titre d'exemple, lorsqu'il y a eu le cycle mémoriel de la commémoration de la guerre de 14-18, les écrivains combattants, et dans le 6e arrondissement, il y en a eu beaucoup, fils d'éditeurs, écrivains eux-mêmes, etc., prématurément morts au champ d'honneur, ou qui après ont continué à leur carrière d'écrivain. Ce sont des voyages que le Souvenir français aide. Ce sont des conférences. Nous en avons eu il y a quelque temps sur De Gaulle et l'engagement qui avait été faite par Jacques Godefrin, à l'époque président de la Fondation Charles de Gaulle. On a eu également sur la panthéonisation. Geneviève de Gaulle était une ancienne habitante du 6e, etc. On essaye de relier, de maintenir un lien vivant avec des événements passés ou des personnes. Et également, nous avons cette merveilleuse école supérieure qui est l'école des mines, qui est toujours sur le 6e. Et nous avons fait, il y a 2 ans, une grande exposition qui tourne sur les différents arrondissements, sur l'école des mines, engagement et résistance, en mettant à l'honneur, justement, là aussi, cette école qui est en phase totale, à la fois avec les élites de la nation et le creuset de notre pays. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous inaugurons une nouvelle séance, qui est celle donc, que M. Grenard va
faire, va vous communiquer, donc sur l'engagement, comment est entré l'engagement de la France en guerre. Voilà. Donc, écoutez, je lui laisse la parole et je vous remercie. Alors je voudrais remercier tout d'abord la mairie du 6e arrondissement et son maire, Jean-Pierre Lecoq, pour son accueil, pour cette visioconférence que j'aurais bien sûr aimé pouvoir mener en présentiel, mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut bien sûr s'adapter. Et merci également au Souvenir français et à Edith Robin qui est à l'initiative de ce projet de conférence qui porte donc sur une période au final assez méconnu de notre histoire, même si tout le monde ou presque a déjà entendu l'utilisation de cette expression « drôle de guerre ». Je vais donc vous parler de l'entrée en guerre de la France en septembre 1939. Une entrée en guerre, paradoxalement, plus proche pour nous que 1914, mais qui a été beaucoup moins étudiée, dont on parle souvent moins également, donc que l'entrée en guerre lors du premier conflit mondial, pour une raison toute simple, c'est que l'issue, bien sûr, n'a pas été la même. La France victorieuse en 14-18 a été défaite en 1940 au bout d'une campagne éclair menée par l'Allemagne. Alors, cette période qui s'étend donc de septembre 1939 date de l'entrée en guerre de la France, donc le début de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au 10 mai 1940, date de l'offensive allemande. Non seulement elle est méconnue, mais surtout elle a donné lieu à beaucoup d'idées reçues. Beaucoup d'idées reçues parce que, bien sûr, c'est toujours le problème en histoire, lorsque l'on analyse un événement par rapport à ce qu'il s'est passé ensuite, on a tendance à rebours, à plaquer un certain nombre d'explications qui, en réalité, n'ont pas forcément lieu d'être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le désastre de 1940 a fait qu'on a voulu chercher, dans les mois qui précèdent, les causes de la défaite de la France face à l'Allemagne. Selon une vision téléologique, comme si l'histoire était écrite à l'avance, qui ne peut satisfaire l'historien, puisque l'historien, lui, doit au contraire faire l'effort de comprendre le passé, de comprendre les événements avec l'état d'esprit des contemporains, donc en faisant toujours l'effort de se remettre dans le contexte et en essayant aussi toujours de faire comme si l'histoire n'était pas écrite à l'avance. Donc il faut essayer d'isoler ce moment, septembre 39, mai 1940, en essayant d'oublier un petit peu la suite pour essayer de mieux le comprendre. Cette période, on la qualifie donc de drôle de guerre. C'est une expression qui a été utilisée par l'écrivain Roland Dorgelès, ancien combattant de 14-18, auteur des Croix de Bois, donc un succès de l'entre-deux-guerres, et qui était reporter aux armées au cours de l'automne 1939, et qui, dans l'un de ses articles, parle de drôle de guerre. Il y a eu d'autres expressions qui ont pu qualifier cette période. Les Allemands, par exemple, parlent de « Zitzkrieg », la guerre assise. Les Anglais parlent de « Phoné War », c'est-à-dire la guerre fantôme. Jean-Paul Sartre, dans ses carnets, parlait, lui, de « guerre à la Kafka ». Et Churchill, c'est peut-être l'expression la plus intéressante en réalité, utilisait la formule de « guerre crépusculaire », comme si on sentait que le monde ne serait plus jamais le même ensuite. Voilà, mais pour la France, c'est l'expression « drôle de guerre » qui s'est imposée, et Roland Dorgelès pourra dire après le conflit que c'est un singulier privilège que de baptiser une guerre alors qu'il ne l'avait bien sûr pourtant pas prémédité. Mais cette expression « drôle de guerre » a aussi un défaut, c'est que
finalement nous renvoie à une période qui n'était pas si terrible, comme si la France n'était pas vraiment entrée en guerre. Et elle a participé des idées reçues qui ont accompagné cette idée selon laquelle eh bien, les Français seraient entrés dans le conflit à rebours parce qu'ils ne voulaient pas vraiment se battre. En réalité, aucune guerre ne devrait être qualifiée de drôle. Et même si, évidemment, ce qui se passe entre septembre 1939 et mai 1940 n'a absolument rien à voir à ce qui s'était passé 20 ans plus tôt, lorsque la France était entrée en guerre en septembre 1914 et qu'il y avait eu immédiatement de grandes offensives très, très meurtrières, il n'en va pas moins que la France entre bien en guerre en septembre 1939 et que la guerre se fait sentir à tous les niveaux, aussi bien sur le front, bien sûr, pour les soldats, mais aussi à l'arrière pour les civils. Et donc, c'est... ce sont ces éléments que j'ai essayé de traduire dans un ouvrage publié aux éditions Belin et intitulé « La drôle de guerre, l'entrée en guerre des Français, septembre 1939, mai 1940 », ouvrage paru en 2010. Alors, dans cet ouvrage, j'essaie de mieux comprendre cette période et surtout d'écrire l'histoire de ces 6 mois en faisant abstraction de ce qui allait se passer ensuite, voyez, pour essayer de faire œuvre d'historien et d'éviter toute approche téléologique. Alors, pour faire une présentation assez rapide et synthétique, je vais essayer d'orienter mon propos autour de 3-4 axes majeurs, en partant d'une idée reçue et en essayant de finalement la démonter. Mais vous savez, c'est un petit peu toujours ce que font les historiens dans leur travail. Les historiens avancent toujours un petit peu à rebrousse-poil, c'est-à-dire qu'ils essaient toujours d'aller contre les idées reçues, mais bien sûr en s'appuyant sur des archives, sur des sources qui permettent de saisir ce qu'a été le contexte d'une période donnée. Première idée reçue, les Français ne voulaient pas se battre en 1939, contrairement à leurs aînés de 1914. C'est une idée qui s'est généralisée après la défaite, en réalité. Il fallait trouver des causes à cette défaite qui n'avait pas été prévue, que personne n'avait vu venir. Et donc, on a essayé de mettre cette défaite sur le dos des soldats qui n'auraient pas fait leur devoir, comme ceux de 1914. Quelques intellectuels de l'époque, qui étaient plutôt marqués comme des intellectuels très pacifistes, que l'on retrouvera ensuite dans le camp de la collaboration, ont aussi participé à cet état d'esprit particulier, notamment Marcel Déa, néo-socialiste en 1939 et qui sera ensuite plus tard collaborationniste. Marcel Déa avait eu cette formule dans son journal L'Œuvre. Il disait « Les Français ne veulent pas mourir pour Danzig ». Voilà. Donc l'idée, c'était qu'il y aurait eu en France un état d'esprit encore munichois en 1939 et que finalement, eh bien, contrairement aux soldats allemands qui, eux, voulaient vraiment se battre, voulaient vraiment obtenir la revanche de 1918, les Français n'avaient peut-être pas de raison d'entrer dans une nouvelle guerre et n'auraient pas faire leur devoir. Si on s'intéresse aux sources de l'époque, on se rend compte en réalité que l'article de Déa ne correspond pas du tout à ce qu'était l'opinion de la majorité des Français en septembre 1939. Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne, la mobilisation est une réussite. Et on peut voir d'ailleurs les progrès entrepris au cours des mois précédents, puisque il y avait déjà eu, lors de la crise de 1938, lors de la crise des Sudètes, il y avait une première mobilisation dans le pays qui, effectivement, avait plutôt mal fonctionné. Les ordres arrivaient avec du retard, la mobilisation avait mal fonctionné.
En septembre 1939, pas du tout. On voit bien là que le pays est prêt pour se battre. Et en quelques jours seulement, tout le pays se mobilise pour permettre d'acheminer 5 millions de soldats vers leur centre de mobilisation, puis vers le front, c'est-à-dire vers les régions de l'Est. Il y a, comme en 1914, très peu de mouvements d'insoumission, de mouvements de désertion. On ne comptera que 3000 cas, ce qui représente seulement 0,1% des appelés, donc c'est vraiment infime, et on est à peu près sur le même pourcentage que pour 1914. On verra aussi qu'il n'y a absolument aucune manifestation pacifiste en 1939, c'est-à-dire que ceux qui, jusqu'à l'été 1939, étaient sur une ligne encore pacifiste, à partir du moment où le pays est entré en guerre, eh bien, ils ne veulent pas fragiliser la patrie, et donc il n'y a pas de manifestation pour demander à ce que la paix soit poursuivie. Alors bien sûr, les appelés de 1939 ont en revanche tous en tête ce qui s'est passé entre 1914 et 1918. Et il n'y a peut-être pas la même illusion ou tous les fantasmes qu'il pouvait y avoir en septembre 1914 lorsque les Français partaient. Alors l'expression, bien sûr, a été largement reprise. Elle aussi ne correspondait pas vraiment à la réalité, mais partaient, comme on l'a dit, la fleur au fusil, en pensant que la guerre allait être courte, qu'ils allaient revenir rapidement, et en croyant à certaines formules de propagande. On disait que les balles allemandes ne tuaient pas, par exemple, en 1914. En 1939, les Français qui partent pour le front savent très bien que la guerre va être longue, va être meurtrière. Ils ont donc une forme de résignation, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas faire leur devoir, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas se battre, bien au contraire. Et il suffit de consulter, par exemple, les rapports écrits par les préfets au moment de la mobilisation pour constater combien cette mobilisation marche bien et combien les Français sont tout aussi désireux en 1939 de faire leur devoir qu'en 1914. Le préfet de Toulouse, par exemple, observe que les mobilisés acceptent leur sort sans récriminer et sans contester la légitimité des ordres qu'ils viennent de recevoir. Le préfet du Rhône, Émile Bollard, futur grand résistant, évoque quelque chose d'intermédiaire entre la résolution et la résignation. Le préfet de Haute-Savoie parle d'une résolution empreinte de gravité. Il dit « le moral est bon ». On accepte la guerre sans enthousiasme, mais avec conscience de la gravité du moment et fermeté. Aucune parole défaitiste n'est prononcée. Hitler est jugé comme le responsable. Il n'y a pas de mot assez dur pour lui. » Voilà. Alors, on pourrait dire, bien sûr, que dans leur rapport, les préfets cherchent plutôt à aller dans le sens du gouvernement et à souligner ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Mais si on utilise maintenant les témoignages des acteurs de l'époque, on observe exactement le même constat d'un peuple français qui, en 1939, a bien conscient qu'Hitler est un problème, qu'il faut en finir avec lui, et accepte donc le principe d'une nouvelle guerre face à l'Allemagne. Marc Bloch, par exemple, le grand historien, écrira dans L'étrange défaite au sujet d'un de ses voisins de régiment qui vient d'un petit village de la Creuse et donc avec lequel il échange quelques mots. Ce paysan lui dit « Les Allemands ne cessent de chercher querelle à tout le monde, ils veulent tout prendre pour eux. Plus on leur cédera, plus ils réclameront. Cela ne peut plus durer. » Et le fondateur des Annales d'ajouter « Un paysan de 1914 n'eût pas dit autrement. » Donc on voit bien finalement que l'état d'esprit en 1939 ressemble de fait à celui de 1914. Autre témoignage intéressant des Américains qui sont en France en 1939 et qui observent la mobilisation. L'ambassadeur américain à Paris, par exemple, Bullitt, qui lui évoque un self-control et parle de courage tranquille, bien au-dessus de la moyenne qu'il a pu observer chez les Français au moment de la déclaration de la guerre. L'écrivain Henri Miller, lui, qui réside dans le sud de la France, écrit « Il prenait la guerre comme une tâche à accomplir, une corvée dont il s'acquittait sans discussion,
parce qu'ils étaient citoyens français. Voilà. Il faut bien comprendre que en 1939 comme en 1914, servir la patrie, répondre à la mobilisation, se battre pour son pays sont des choses tout à fait naturelles. Ce sont des choses qu'on apprend dès le plus jeune âge, hein, pour les jeunes garçons notamment, à l'école ou dans des organisations plutôt liées par exemple au scoutisme ou à l'engagement. Deuxième idée reçue, donc, vous voyez, on ne peut pas dire que les Français ne voulaient pas se battre en 1939. Deuxième idée reçue, c'est l'idée que pendant toute cette période de 6 mois, donc, que l'on qualifie de drôle de guerre, eh bien, le pays n'aurait pas été véritablement en guerre. Les Français auraient continué de vivre comme en temps de paix, il n'y aurait pas eu de mobilisation à l'arrière, où l'on aurait continué à fréquenter le music hall, les salles de cinéma, à chantonner les airs de l'époque, notamment de Maurice Chevalier, hein, cette fameuse chanson « Et tout ça fait d'excellents Français », qui est un petit peu une sorte de symbole de cette période. En réalité, dès septembre 1939, et pour les mois qui suivent, la France est bien un pays en guerre. Et cette guerre, on la voit à tous les niveaux. Au niveau du foyer, beaucoup de femmes se retrouvent seules avec leurs enfants, puisque le mari est mobilisé, et les femmes doivent donc s'occuper du foyer. Elles doivent aussi remplacer les hommes au champ ou à l'usine et revivre un peu ce qu'elles avaient déjà vécu entre 1914 et 1918. Les Français vivent aussi dans la peur des bombardements. Tout le monde a bien conscience que cette nouvelle guerre verrait l'arme aérienne jouer un rôle majeur. Tout le monde a vu les images de Guernica, par exemple, lors de la guerre d'Espagne. Et les Parisiens, dès l'automne 1939, vivent au rythme des alertes aériennes. Il faut aller se cacher dans le métro, dans les abris qui ont été aménagés partout dans la capitale. Tous les bâtiments publics, les édifices historiques ont été recouverts de sacs de sable pour être protégés en cas d'attaque aérienne. Et chacun prend l'habitude, eh bien, de vivre avec son masque à gaz, de préparer chez soi le minimum vital en cas, par exemple, d'attaque au gaz. Voilà, on apprend aussi à vivre à l'heure du couvre-feu, puisqu'il faut, dès la nuit tombée, couper bien sûr les lumières pour que l'ennemi n'ait pas de repères. La guerre, elle se voit aussi avec l'apparition des premières restrictions. Le rationnement ne date pas de l'occupation. Le rationnement débute bien au cours de l'hiver 39-1940, donc lors de cette période dite de drôle de guerre, parce que l'état de guerre fait que les circuits commerciaux, les circuits d'approvisionnement avec l'extérieur sont perturbés, notamment les circuits avec l'Empire colonial. Et la France commence à manquer de sucre, de café, de chocolat, mais aussi d'huile et d'un certain nombre de produits qui font défaut. Et donc, eh bien, il faut commencer à restreindre un petit peu sa consommation et à vivre avec les premières mesures de rationnement. L'hiver 39-40 est d'ailleurs très froid. Et beaucoup de citadins souffriront de pénurie de charbon et connaîtront des moments difficiles. D'ailleurs, il suffit de comparer le taux de mortalité en janvier 1940 avec ce qu'il était en janvier 1939. Il est multiplié par 2. On compte 103 000 décès en janvier 1940 contre 62 000 seulement en janvier 1939, hein, ce qui montre bien que les conséquences de la guerre se font sentir à l'arrière pour les civils. Ces conditions se font encore plus sentir pour certaines catégories particulières de gens qui vivent en France. Il y a les évacués, puisque dès que la France est entrée en guerre, on a évacué 400 000 Alsaciens et Lorrains qu'on a rapatriés vers les régions du sud-ouest, la Dordogne, la région de Bordeaux,
dans des conditions pour ces personnes, bien sûr, extrêmement difficiles, puisqu'elles ont dû tout quitter, leur maison, leur village, leur ville, et elles se sont retrouvées dans des territoires où elles n'étaient pas toujours les bienvenues, puisque du fait de leur accent un petit peu allemand, on les prenait parfois pour des agents de l'ennemi. Et puis ces Alsaciens lorrains arrivent dans des régions plutôt rurales où le mode de vie n'était pas du tout le même que celui en Alsace à l'époque. Et voilà, donc des conditions de vie quand même très difficiles pour cette catégorie des évacués. On évacue aussi, dès septembre 1939, des principales villes, notamment de Paris, les enfants, en cas d'attaque aérienne. On va les placer là aussi dans des régions rurales, et beaucoup d'enfants feront la rentrée scolaire en octobre 1939, non pas dans leur ville d'origine, mais dans un petit village de campagne, séparés souvent de leurs parents, là aussi dans des conditions difficiles. Et puis, enfin, il y a le sort compliqué des étrangers. La France possédait 3 millions d'étrangers sur son sol à la veille de la guerre. Et parmi ces étrangers, on comptait beaucoup, en fait, d'Allemands, d'Autrichiens, de Tchèques. C'était des gens qui étaient anti-nazis, qui avaient fui le régime nazi, qui pensaient trouver refuge en France. Mais à partir du moment où la France est en guerre contre l'Allemagne, eh bien, on considère ces étrangers comme des habitants d'un pays ennemi. Et donc, le gouvernement d'Aladier va mettre en place des centres d'internement pour y fixer ces étrangers avec des destinées donc souvent tragiques, puisque ces étrangers avaient fui le régime nazi, donc ils étaient souvent les premiers adversaires de l'hitlérisme, et ils se retrouvaient maintenant internés, enfermés, parce qu'on les soupçonnait d'être de potentiels alliés de l'Allemagne nazie. Voilà. Parmi ces étrangers figuraient quelques grandes figures intellectuelles, comme par exemple Ernst Kantorowicz ou Hannah Arendt. Et cet internement, après la défaite de la France, jouera comme un véritable piège, puisque l'une des conditions les plus humiliantes de l'armistice demandée par l'Allemagne sera la remise au Reich des ressortissants allemands autrichiens anti-nazis qui se trouvaient en France et qui étaient donc internés dans des camps, comme par exemple dans le sud, le camp des Mille. Voilà, donc on voit bien que le pays tout entier a basculé dans la guerre, qu'il vit dans un état de guerre, et donc il faut essayer de sortir hein, de ces images un peu d'Épinal que l'on plaque souvent pour illustrer cette période dite de drôle de guerre avec eh bien, des Français, des Françaises qui continueraient de vivre comme si le pays n'était pas en guerre. Troisième idée reçue que l'on peut là aussi essayer de fortement nuancer, le rapport de force était très favorable à l'Allemagne. C'est une idée qui a été développée après la défaite, là aussi, pour essayer de trouver des explications à une défaite aussi brutale qu'inattendue. Et à la formule, là aussi, hein, qui caractérisera la drôle de guerre, la formule de Paul Reynaud, le ministre des Finances, qui sert la propagande du gouvernement d'Aladier, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts », Philippe Pétain répondra après la défaite « Je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal ». Voilà, une façon de dire aux Français « En réalité, on vous a raconté des bobards, le pays n'était pas du tout prêt à se battre, n'avait pas les moyens de vaincre l'Allemagne ». Pourtant, si on se livre à une analyse strictement statistique des forces en présence, on se rend compte que la France, elle est aussi prête que l'Allemagne, au niveau des armements, par exemple. Et au niveau des hommes aussi. La France a mobilisé 5 millions d'hommes, l'Allemagne sur le front de l'Ouest, elle se bat aussi à l'Est hein, en Pologne, n'a que 2,6 millions d'hommes. La France possède 3 millions de fusils contre 2,7 millions pour les Allemands, 130 000 fusils mitrailleurs pour les Français contre 126 000 pour les Allemands. Au niveau des chars, là aussi, il y a en réalité un équilibre parfait. Les chars français sont au nombre de 2500
C'est à peu près le même chiffre pour les Allemands. Et on considère même que les chars français, notamment les chars Renault, sont plus performants techniquement que les chars allemands. Il n'y a qu'au niveau de l'aviation qu'il y a un déséquilibre, puisque là, il y a un retard effectivement du côté de la France. La France ne dispose en septembre 1939 que d'un millier d'avions environ, contre 3000 du côté allemand. Mais la France n'est pas seule. La France a à ses côtés la Grande-Bretagne. Et si on additionne la Royal Air Force avec les avions français, on arrive aussi à un chiffre équivalent à celui du côté allemand. On peut se dire aussi que la France et ses alliés, notamment la Grande-Bretagne, ont des atouts dont les Allemands sont totalement dépourvus. La France et la Grande-Bretagne possèdent à eux deux les deux plus grands empires coloniaux du monde à l'époque. Et avoir un empire colonial, cela signifie avoir des ressources, ressources économiques, mais aussi des ressources en hommes, des troupes coloniales que l'on pourra mobiliser. Et la Première Guerre mondiale avait montré toute l'importance de cet apport de l'empire dans le contexte d'une guerre longue où il fallait tenir sur la durée. Donc on le voit bien, la question en réalité de la défaite de la France en 1940 s'explique pas par une impréparation du pays, s'explique pas par un rapport de force qui lui serait défavorable. Elle s'explique vraiment en revanche par des choix stratégiques qui ne seront certainement pas les bons. L'exemple le plus parlant est celui de l'utilisation des chars. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a autant de chars dans chaque camp. Simplement, du côté français, on a fait le choix de disséminer les chars tout au long du front, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse, parce qu'on considère que le char est une arme d'appoint. On pense que l'infanterie, comme en 14-18, doit rester l'arme principale. Les Allemands, bien sûr, ont fait un choix stratégique tout à fait différent, puisqu'ils se servent, eux, de leurs unités blindées un petit peu comme d'une nouvelle cavalerie, c'est-à-dire d'une arme que l'on va concentrer en un point donné pour essayer d'obtenir un avantage décisif. Dernière idée reçue sur laquelle je voudrais essayer de porter quelques éléments. La drôle de guerre aurait été une période sans combat entre septembre 1939 et l'offensive allemande donc du 10 mai 1940. Là aussi, c'est une idée qu'il faut nuancer parce que, autant bien sûr, on n'assiste pas au déclenchement immédiat de grandes offensives comme celle de l'été 1914, mais cela ne signifie pas que c'est une période où les combats sont totalement à l'arrêt sur le front de l'Ouest. D'abord, il y a la petite offensive dite de la Sarre, qui est pratiquée par l'armée française en septembre 1939 et qui permet aux troupes françaises de pénétrer à l'intérieur du Reich de quelques dizaines de kilomètres. Il s'agissait juste d'une offensive destinée à tester un petit peu les défenses allemandes et les troupes françaises s'arrêteront lorsqu'elles auront atteint la ligne Siegfried pour ensuite se replier. Mais cette offensive de la Sarre fera quand même dans chaque camp plusieurs centaines de victimes et des milliers de prisonniers. Surtout, la drôle de guerre est une guerre où ont lieu des combats aériens, notamment dans la zone de front, parce que chaque camp essaie de se livrer à des opérations de repérage, de renseignement, et l'aviation adverse, bien sûr, essaie d'empêcher ce genre de mission. Il y a eu, au cours de la période, 11 000 sorties aériennes côté français, par exemple. C'est considérable. Et 176 avions seront abattus du côté allemand, 57 du côté français et 82 du côté britannique. Voilà, pour bien montrer qu'il se passe des choses dans les airs et que les pilotes, eux, difficile de qualifier pour eux cette période de drôle de guerre sans combat. Il y a aussi des combats maritimes, puisque les enjeux de la guerre font que les Allemands cherchent
à empêcher les Français, les Britanniques, à pouvoir continuer à s'approvisionner depuis leurs empires coloniaux. Donc, dès l'automne 1939, l'Allemagne mène une guerre sous-marine importante contre les convois alliés, comme les Allemands l'avaient déjà fait en 1916-1917. Et près de 800 000 tonnes alliées seront coulées lors de cette période dite de la drôle de guerre. En retour, les Alliés vont mener une véritable chasse aux sous-marins allemands, notamment dans l'océan Atlantique, et vont en couler plusieurs dizaines. Il y a enfin, dans la partie du front où il se passe le moins de choses entre la ligne Siegfried et la ligne Maginot, cette espèce de no man's land, il y a là aussi toutes les opérations méconnues des corps francs. Les corps francs, c'était des soldats d'élite, des petits commandos qui cherchaient à s'introduire derrière les lignes ennemies pour obtenir des renseignements, pour faire des prisonniers. Et on a des attaques incessantes de ces corps francs qui provoquent dans chaque camp d'ailleurs une véritable panique parce qu'on a peur la nuit eh bien d'être attaqué comme ça par un petit commando qui aura réussi à s'introduire dans les lignes adverses, hein, aussi bien du côté français que du côté allemand. Au total, dans l'armée française, la période de la drôle de guerre, 6 mois donc seulement, fait quand même près de 2000 morts. Donc on voit que ce n'est pas rien, même si bien sûr ça n'a rien à voir encore une fois avec ce qui s'est passé en 1914. Mais si on compare ça à d'autres conflits, je dirais un peu plus classiques que la Première Guerre mondiale, on est sur un ratio déjà relativement élevé. Voilà, pour conclure, il me semble important de bien mesurer ce qui s'est passé lors de ces 6 mois, de bien mesurer ce qu'a été l'état d'esprit des Français au cours de cette période, parce que c'est indispensable pour comprendre la suite. La suite, on la connaît, une défaite brutale. L'armée allemande attaque le 10 mai 1940, le 14 juin, les Allemands sont à Paris, et le 22 juin, le gouvernement français signe l'armistice. Voilà, donc en un mois et demi, l'armée française s'est effondrée. Mais cela ne veut pas dire que l'armée française ne s'est pas battue. Cela ne veut pas dire que les soldats français ne voulaient pas faire leur devoir. Au contraire, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que cette défaite de 1940, elle était totalement inattendue. Aucun des observateurs de l'époque ne l'avait vu quasiment venir. Et cela permet d'expliquer la suite en réalité. Pourquoi la France se jette dans les bras du maréchal Pétain en 1940? Pourquoi, au final, assez peu de Français vont rejoindre De Gaulle à Londres, du moins dans un premier temps, en 40-41? Et pourquoi l'opinion française va être plutôt apathique au cours des premiers mois de l'occupation allemande? Mais c'est tout simplement parce que les Français ont été traumatisés. Ils ont été traumatisés par une défaite qui n'avait pas été pensée, que personne n'avait vu venir. Ils ont eu le sentiment d'être abandonnés par tous, de se retrouver seuls face à leur destin. Et lorsqu'ils ont commencé à entendre à la radio celui que l'on présentait comme le vainqueur de Verdun, eh bien, sans forcément chercher à comprendre le sens de sa politique ou ce qu'il voulait faire, beaucoup se sont ralliés à lui. Et assez peu de Français ont pensé dès 40 la question de la résistance, tout simplement parce que cela n'avait pas anticipé. On peut juste prendre un exemple très simple. La défaite de la Pologne en 39 face à l'Allemagne, dans des conditions assez semblables que la France, finalement, victoire de la stratégie dite de Blitzkrieg, guerre éclair, mais avec des conséquences tout à fait différentes. Parce que la Pologne, tout le monde savait qu'elle allait perdre face à l'Allemagne. Et les Polonais eux-mêmes, alors ils se sont battus avec la violence du désespoir, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais comme ils savaient quelque part que le rapport de force leur était trop défavorable, ils ont tout de suite pensé la résistance.
À Varsovie, un gouvernement clandestin se constitue alors même que l'armée régulière polonaise n'a pas encore capitulé. Voyez. D'un autre côté, en France, comme on n'a pas pensé la possibilité d'une défaite qui semblait totalement impensable, cette question de la résistance n'a pas été pensée, n'a pas été anticipée, et cela explique ce comportement des Français au cours de l'été 40, qui sont en réalité totalement traumatisés par la défaite, traumatisés par l'exode, traumatisés par les pertes au sein des familles. Et il faudra plusieurs mois pour sortir de ce traumatisme et pour faire en sorte que le pays puisse essayer de se relever autour de ses valeurs, notamment du patriotisme. Merci beaucoup.